Bonjour à tous, bienvenue dans ce 37e épisode de Transport Fever 2. Alors, certains me l'ont peut-être dit entre épisodes, en fait j'ai mis 30 secondes à trouver. C'était tout simplement parce que, comme d'hab, cette fichue gare, il n'y avait plus la petite liaison là. Du coup, bah, il ne trouvait pas le moyen de déverser sa marchandise pour lui. Donc là, vous voyez, on clique là, l'expédition est repartie à 400%, donc bon, ça devrait se relancer tout seul. J'en ai profité, j'ai upgradé les routes, parce que j'ai pas tiqué, mais j'ai mis des véhicules qui vont à 80 km/h sur des routes où les gars ils peuvent aller à 50. Ce qui est pas logique. Ce qui est pas rentable surtout. Alors ensuite, on va mettre en place notre tracé pour comment dire, pour desservir nos outils. Et on va faire un petit truc. On va tester de faire tenter de faire un petit truc. Je vais réfléchir en même temps que je vous dis comment je vais faire. Mon idée étant de mettre une gare ici. Une gare marchandise. Réfléchir en même temps en fait. Une gare marchandise pour en fait délivrer les outils ici, mais en fait la coller où sur ce tracé là. Non, c'est une mauvaise idée de la coller sur le tracé ici, ça va me gêner. On est légèrement décalé. C'est quoi de détruire un champ là? On peut shooter le champ, on s'en fout. 200 000, on a tellement de millions. Juste une chose, la ville ici. Quels sont les bâtiments qui... C'est les bâtiments commerciaux? Non. Bâtiments industriels, alors les bâtiments industriels ils sont où? Ah bah ils sont là, donc il vaudrait mieux en fait coller la gare. Ah, le bâtiment industriel il demande des briques. Donc eux ils veulent des briques qui arrivent ici. Ouais, alors ça c'est le. Et eux ils veulent des outils qui arrivent là. C'est tellement logique. On va voir ça, on va voir les tracés. Alors, comment on va se faire ça? Alors, mon idée étant que pour Dammartin, à partir d'ici, un moment, on va sortir, on va partir comme ça, avec une ligne souterraine qui va passer là sous le tas de merde là, sous ce gros tas de machin chose là, pour ressortir genre juste ici. Et se glisser. Alors on va laisser avancer un peu le temps, comme ça on va laisser partir ce train là. Voilà. On va faire nos rectifications qu'on voulait faire tout à l'heure. Configurer. Alors, on va péter des choses. Péter ça. Péter ça. Ça. Voilà. Alors plateforme, ici on va mettre une plateforme industrielle, enfin de marchandises. Ah, faut péter ça aussi, de toute façon c'était au programme. Ne vous inquiétez pas. Alors on passe sur la config, plateforme. Voilà. Ensuite. Hop, 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 hop. On va même pousser lui un peu plus loin ici. Plateforme là. Pour avoir ici un tracé un peu plus long. Hop. Bâtiment builder. Collision, un moyen. Voilà. Comme ça, il y a les deux. Ah bah non, c'est deux centrales. Et du coup, on va shooter celle-là. Hop.
Non. Voilà. Et par contre ici, du coup, on va recoller du passager. Voilà. Avec ça dessus. Oh, ça coûte rien en plus. Voilà. Ensuite, on va refaire des rails. Alors, avant de refaire des rails, tout ceci, on va grader. Voilà. De toute façon, il faudra tôt ou tard les upgrader, donc autant le faire tout de suite. C'est bien cette histoire de couleur, parce que comme ça, même en mode souterrain, on voit bien la différence. Puis on repère bien où sont les voies, surtout. Ce qui n'est pas négligeable. Voilà. Tout, tout, tout. Voilà. Alors là, ah si, celui-là est censé avoir la voie de passager pour avion. Faudra peut-être la mettre en place aussi, ça peut être une idée. On va peut-être pour tout de suite, on va faire vite fait celle-là, là, de tracer. Voilà. Plus c'était déjà fait de l'autre côté, il restait juste un petit bout à faire. Voilà. C'est bon. Donc, revenons ici. Hop. On prend ça. On vient coller à la bonne voie. C'était bon. Logiquement, il n'y a plus de soucis là. Ah. Oui, gestion de la ligne. Faut changer le quai. Voilà. Alors, c'est là qu'on va commencer à rigoler. Donc, on ferait partir comme ça pour commencer à plonger là-dessous. J'arrive pas à choper mes trains. Pourquoi t'attends? T'attends quoi? Ah oui, non, t'es en pause. Bon, tu prends 90 et tu repars ou... Non, tu repars, voilà. Oui, parce que du coup, il faut relancer... Pas que ici c'est bon, c'est à 100%. Il va falloir refaire évoluer ces bâtiments-là. Parce qu'on n'a plus de production du tout. Ah, ça nous a fait mal, hein, cette connerie-là. Bon, ça va se relancer, hein, c'est pas le souci, mais... Petit à petit, ça va se remplir. Alors, toi, on va plutôt partir comme ça pour essayer de plonger assez loin. En fait, la question étant... Non.
Genre ici. Ouais. À partir de quand je passe en mode tunnel? Wow, il craque, hein. Je peux pas descendre plus. Il faudrait que je parte un peu plus tôt, genre ici. Je sais même pas où est-ce qu'il est parti le truc. Non, mais de toute façon, là, on va revenir par là, on va se calmer. Là, il fait quoi là? Il doit faire un mix horriblement horrible. Non. Là, le truc c'est que oui, on va le valider. Par contre, on va redétruire tout de suite ces portions souterraines là. Parce qu'ils descendent beaucoup trop bas. Voilà. Partir de là, l'idée c'est que tu ailles tout droit. Ouais, ou tu remontes même. C'est une très bonne idée. Tu ressors pile là où je voulais. Approximativement dans le bon sens en plus. Ouais, bah voilà. Donc on a notre passage. Souterrain. On va ajouter ça. Pour faire le truc le plus propre possible. Le plus propre possible, ça passe par faire ça en fait. Voilà. Voilà. Que dire de plus? C'est ça. C'est pas du travail de précision. Moi j'aime bien. Je trouve ça propre. Donc c'est une bonne chose de fait, sachant qu'il faudra doubler. D'accord. Par exemple, on peut sortir. L'idée serait de sortir ici. De sortir avant même. Il est où le signal là? Il est ici. Voilà. On va shooter ça. On va continuer là-dessus.
Hop. Pour le moment, de toute façon, assez à rien, cette voie. J'ai envie de démolir celle-ci aussi. Ok. Le jeu vient de craquer. On est où? On est là, d'accord. Le jeu vient de faire un petit bug. Première fois que je vois ça. Il n'y a pas une neige détruise les routes, apparemment. Voilà. Donc on va continuer sur les voies. Voilà. Là on a deux voies propres, une qui prend l'un et une qui prend l'autre, c'est bon. J'ai jamais demandé la raffinerie non plus. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se met une petite gare ici? Alors ce qu'on va faire déjà, c'est ça. On va se construire une petite route là, par d'ici. Pas comme ça surtout, comme ça, voilà, toi qui pars comme ça, et qui va partir on va voir, donc étant qu'il faut relouiller les deux, il faudrait mettre une gare au milieu. Ça pourrait être une idée. Alors, comment on peut faire ça? Alors, rail 1. Alors là, on va passer en mode total impro, hein, quand même, je vous l'annonce. Sans détour. J'ai pas plus réfléchi que ça, comment j'allais faire ça. Enfin, vaut mieux la mettre dans l'autre sens, la gare. Voilà. Ce qu'il faudrait, à la limite, c'est trois voies. Ah oui, on peut pas mettre trois voies. Non, on va faire une voie et on fera nous-mêmes, on rajoutera les deux autres. Du genre là comme ça, parce qu'on est assez parallèle, là on est peut-être plus parallèle, voilà. Tester de faire ça. Rail. Ce qui me plaît pas, c'est que c'est vachement descendu la gare, et je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Voilà. Mais ce qui serait bien, c'est qu'elle soit surélevée. Voilà, mieux qu'elle soit comme ça. Voilà. Ce sera mieux pour tirer les rails après. Alors, hop, ici, hop, ici, alors, pareil, on tire un troisième sur le milieu. Voilà.
Alors, l'idée, c'est ça. 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 Et prend la même pour sortir. Et ça. Donc là, ce n'est que le train là, chouk chouk. Lui décharge ici. Ça me semble pas mal. Bon, après là-bas, après c'est plus du détail. Hein. Il faut juste faire un passage ici. Hop. Hop. Voilà. Donc ça sera la route pour Dammartin et là sera l'arrêt pour Beson. Le petit bout de route qui va bien. Voilà. Alors, on va raser ce petit morceau de route là. Voilà. Voilà. On verra ça au prochain épisode. On va finir de tracer tout ça, la route là pour lier ça, et la route pour aller faire la distribution après. Ouais, ça me semble pas mal. Au pire, même on la pousse jusqu'ici en route et après on relie à ça. On va faire un truc comme ça dans ce bout-là. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. Abonnez-vous, likez, tout ça, vous connaissez la chanson maintenant. Une bonne semaine et je vous dis à demain pour la suite. Salut tout le monde!